Et on se retrouve pour la cinquième partie, peut-être la dernière, de ce gameplay. Non, t'inquiète, ils ont pas écouté. Alors reprenons. Alors je suis désolé les amis si je peux pas vous montrer le mode survie. Car je n'ai pas trop le temps. Ne vous inquiétez pas. Un temps, je pourrai vous montrer le mode survie. Bah après vous inquiétez pas, je vous montre ça en vidéo, mais pas aujourd'hui. Je sais, c'est un peu dommage. Allez, on a remporté 4 points. Parce que c'est nous les premiers. Et c'est l'équipe de Kakashi qui gagne. Oh là là, je crois que j'ai pris une équipe imbattable. Hein. Ah. Oh mais est-ce que l'équipe de Madara. Et en plus c'est pas l'équipe de Madara, ils sont trop forts. L'équipe de Madara, ils sont trop forts. J'ai mis Madara, Obito et Pain, mais ils ont quand même perdu. Vous trouvez ça un peu bizarre, mais waouh. On dirait que j'ai pris les mauvais personnages. J'ai fait ça pour être équitable, mais là, Kakashi gay, j'avoue, Kakashi est fort, gay est fort. Bon, c'était équitable. Beaucoup. Par exemple, de 1h à 2h30. Ouh, j'ai plus de batterie. Désolé, les amis. 2h30. Que je mets en mode pause, mais je n'ai plus de batterie, les gars. Et bon, on va reprendre notre gameplay. Et l'enchaînement qui marche. Après il a disparu après. Oh, regarde, il fait comme ça. Et la fin. Bon, j'ai décidé de faire les dorans avec Sasuke puisque c'est le chef de cette équipe. Il est trop de puissant. Bon, après, on va jouer un peu. Boum. Et voici l'enchaînement. Boum, boum, boum. Et on gagne cette ligue en beauté. Et bah que l'équipe de Kakashi est deuxième. Il a fait ce gros tournoi.
Elle a retroussé ses fesses. Deux. Elle a continué. Après, elle a fait comme ça. Il y a de la crotte de nez. Elle a posé sur la table. L'autre, elle était sur la table. Et nous allons voir les résultats. Fin de la ligue. Et je me suis pas trompé. Je suis premier avec 11 points. L'équipe de Kakashi avec 7 points. L'équipe de Hashirama est avec 3ème. Et l'équipe de Madara qui m'a surpris. Alors que moi je crois que c'était lui qui sera en deuxième place. Et en vérité, non, c'est pas eux. Et c'est l'équipe de Kakashi qui a remporté 7 points. Et c'est dommage s'ils ont perdu parce que peut-être ce sera eux les premiers. Mais bon, j'ai gagné tous mes combats. Tu arrêtes avec ta soeur. Allez! Toi tu passes ici et toi tu passes. Et il raconte des bobards à son frère, à son copain. Il dit moi j'ai la camion de mon père, j'ai fait caca dans le casson de mon père, après mon père il met la culotte à la mon caca. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette découverte de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 vous a plu. Laissez des commentaires si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donnez-moi quelques améliorations pour que je gagne un peu plus les combats. Et après, dites-moi si je reste sur ce niveau. Mais après, je suis super content de faire ces vidéos avec vous en votre compagnie. Je suis super content de faire cette vidéo. Et la prochaine vidéo, ce sera peut-être demain ou lundi, car je vais vous montrer le mode histoire et pas d'autre. En tout cas, pour découvrir l'intro. Je n'ai même pas fait ça, pourquoi tu mens, toi? Il a dit ça à tous ses copains. Il n'y a pas ça. Vous êtes surpris que Kakashi aussi, il a le Susanoo. Si vous ne croyez pas, allez voir d'autres youtubeurs qui vont plus vous expliquer bien. Ne vous inquiétez pas, dans le mode histoire, je vais débloquer quelques personnages. Tu racontes que c'est bon, il est fini. Bon, allez, à plus.